Sarah Frézou dévoile une triste histoire qu'elle a vécue en étant jeune, battue et trahie par une amie et son ex-petite amie. Elle a subi de graves violences conjugales. Sarah Frézou a partagé récemment une story où elle pleurait à cause de la solitude. La jeune candidate veut se mettre en couple mais ne fait plus confiance après ses nombreux divorces. Sarah n'a pas beaucoup d'amis filles à qui elle peut se confier ou passer du temps, et cela a une raison bien particulière. À vrai dire, la jeune femme a subi une lourde trahison de sa meilleure amie de l'époque qui l'a trompée avec son ex et lui a menti. Sarah a subi alors des violences conjugales physiques et psychologiques entre les coups, les insultes et aussi séquestration. Elle n'avait pas le droit de porter ce qu'elle veut et ses déplacements étaient très limités. La jeune candidate a donc décidé de se confier via Story Snapchat pour la première fois, une histoire qu'elle n'a jamais racontée auparavant et vient d'avoir le courage de le faire. Je vous laisse l'écouter. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En fait, comme ça, vous pouvez comprendre un peu mon état d'esprit. C'est vrai que vous me voyez, et j'ai pas beaucoup de copines. J'en ai même quasi pas. J'ai pas du tout de copines. Genre, je dois en avoir une ou deux. En fait, je vais vous expliquer. J'ai été tellement déçue par les femmes. Il fut un temps, quand j'avais 18 ans, j'étais en couple. J'étais en couple, j'étais amoureuse. De ouf. Et j'avais une copine que personne ne voulait fréquenter. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne juge pas les gens. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que tout le monde savait que c'était une fille, en gros, entre guillemets, pas fréquentable. Et j'ai toujours voulu aller à l'encontre de ce que les gens pensent. Parce que je ne porte pas de jugement. Moi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ce n'est pas la mienne. Si tu es une bonne personne dans le fond, j'arrive à voir ce côté-là, ce joli côté-là de toi. Et à l'ancienne, j'étais dans une relation sérieuse. J'avais encore que 18 ans. Et cette fameuse fille-là, je lui ai plus parlé pendant un certain temps parce que mon copain ne voulait pas. Il me disait qu'il voulait pas me voir avec elle, qu'on n'avait rien à voir. Et qu'il voulait pas que les gens parlent de moi. Ils me disent que je traîne avec cette fille-là. Au final, vous savez ce qui s'est passé? C'est que moi, cette fille-là, un soir, elle s'est retrouvée en galère. Elle était à la rue. Ses parents l'avaient foutue dehors. Et moi, je pouvais pas me permettre de dormir dans un bon lit chaud en sachant que mon amie était dehors. Donc, je lui ai proposé de venir se poser avec nous, moi et mon petit copain. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la suite de l'histoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai une autre amie qui m'a appelée entre-temps, car elle galérait et elle voulait se poser avec nous. Donc je me suis dit, mort pour mort, je suis plus en tête-à-tête avec mon copain, autant se poser tous ensemble, rigoler, passer une bonne soirée. Donc on était trois, donc deux copines à moi et mon petit ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai une copine à moi qui devait aller rejoindre son mari, donc je l'ai accompagné en voiture et j'ai laissé cette fameuse copine en tête à tête avec mon copain. Sur le chemin, j'ai mon autre ami qui me dit, mais Sarah, t'es complètement folle, car cette fille là a une facilité de coucher avec des personnes. Je lui ai dit, écoute, se passera, devra se passer, et s'il doit se passer quelque chose, il se passera, que ce soit aujourd'hui ou demain. Je dois avoir confiance en lui comme je dois avoir confiance en mon ami. Donc je les ai laissés ensemble dans une chambre et je me suis barrée accompagner mon autre copine qui était en galère. J'ai toujours fait passer les autres avant moi et je me suis barrée. Je les ai laissés ensemble et je suis revenue 20 minutes plus tard, 30 minutes plus tard. Jusqu'à là, tout va bien. On rigole, tout se passe bien. J'explique que je suis fatiguée et qu'à un moment donné,
Est-ce que vous voulez bouger tout de suite ou pas? Parce que à partir du moment où je me pose, je ne bouge plus, je n'accompagne plus personne. Jusqu'à là, tout va bien. Ma copine a une seconde galère. Son mari l'a appelée, je la raccompagne. Je relaisse une deuxième fois cette fameuse copine. Donc je vous disais, je laisse cette fameuse copine une deuxième fois avec mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la deuxième fois, quand je reviens, je tarde un peu plus. Et quand je rentre dans cette fameuse chambre, je sens une sorte de tension, une vraie tension palpable. Je comprends pas pourquoi. Donc je demande des explications à mon chéri, qui me dit non. On a insulté ma mère sur le parking, ça m'a vénère, ceci, cela. Donc jusqu'à là, moi de bonne foi et en tant que gentille personne, j'essaye de calmer. Je lui dis que ça peut arriver et qu'il y a des gamins sur Terre qui voilà, n'ont pas de respect pour les mamans et ceci, cela. Bref, vous avez compris l'histoire. J'essaye de rassurer, j'essaye de calmer la personne que j'aime. Parce que je n'aime pas la voir dans le mal. Sauf que bizarrement, cette fameuse copine me demande de la raccompagner chez elle et qu'apparemment, elle a récupéré les clés et que ses parents l'autorisent à rentrer à la maison. Sauf qu'à ce moment-là, je dis que je n'ai plus envie de conduire et je demande à mon petit ami d'aller l'accompagner. Sauf que là, réaction très bizarre. Ma copine pète les plombs et veut à tout prix que ce soit moi qui l'accompagne. Sauf que moi, je suis tellement déterminée dans mon truc et tellement fatiguée que je dis non, c'est lui qui va t'accompagner. Il va, il accompagne, il revient. Le lendemain, donc je passe la nuit avec mon petit copain et mon autre ami qui était resté avec nous. On rigole, tout se passe bien. Mais il y a quand même cette tension. Donc, je vous dis, il y a quand même cette tension-là. Par la suite, le lendemain, j'étais avec un mec à la base. Il faut savoir que j'étais avec un mec, je n'avais pas le droit de me maquiller, je n'avais pas le droit de me détacher les cheveux, je n'avais pas le droit de mettre de jeans avec un t-shirt plus court. Il fallait que automatiquement j'avais quelque chose de long qui me cache les fesses. J'avais le droit à rien. Quand j'allais à l'épicerie, quand j'allais à la boulangerie, quand j'étais avec ma mère, quand j'étais avec ma famille, j'étais obligée de l'avoir au téléphone 24 heures sur 24. Et j'ai accepté. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais j'ai accepté à ce moment-là. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, je lui ai demandé d'aller accompagner une copine à moi sur Paris. Chose qu'il a acceptée, qui m'a complètement choquée. Parce que je n'avais pas le droit de bouger, pas plus que le secteur de chez moi, à part si j'étais avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai accompagné ma copine et je suis revenue. Il était exactement 18h, on était posé à la maison. Il m'appelle. Il me demande de sortir devant la maison. À ce moment-là, je lui dis que je suis pas toute seule. Je lui dis que je suis accompagnée de ma copine et qu'on va se capter, mais je ne serai pas toute seule. Je sors de la maison, je sais pas pourquoi. Je sentais que j'allais me... Je sais pas. Je sentais un truc bizarre parce que son intonation, sa manière de faire était très chelou comparé à d'habitude. Donc je sors de la maison. Je me mange une rafale de droite. Voilà. Je me mange patate sur patate et gauche et droite et gauche et droite. Ce jour-là, je pense que vraiment, j'étais un punching ball. Je me mange une rafale de patate, je ne comprends même pas pourquoi. Et il se met à pleurer. Il pète les plombs. Et de là, il vient à me dire. J'ai dû coucher
avec ta copine pour qu'elle me dise que tu m'avais trompée. Chose qui était totalement fausse parce que ça a été prouvé par A et par B et cette personne a regretté derrière. En fait, j'avais une copine en qui j'avais confiance. J'ai voulu l'aider dans sa galère. Et au final, elle m'a planté un couteau dans le dos. Parce qu'elle était partie voir mon petit ami. Parce que c'était quelqu'un qui voulait se procurer la vie des autres. Elle était jalouse de ma relation et le fait que je l'avais mis sur le côté pour mon mec. Et elle lui avait inventé mondes et merveilles pour pouvoir coucher avec lui. Et me dire, voilà, c'était un bâtard. Sauf que cette histoire est partie plus loin. Je me suis mangé un coup de couteau dans la cuisse. J'ai atterri à l'hôpital. Ce jour-là, vraiment, j'avais plus rien à perdre. Et pour vous dire, c'est pour ça que je vous dis, en amour, j'ai toujours été triste. Et c'est pour ça que j'ai pas de copine. Les filles, c'est dangereux. Les femmes, c'est très, très dangereux. Et j'étais beaucoup déçue. Et donc, vous imaginez qu'en fait, vous avez confiance en une amie. Vous ne voulez pas la laisser en galère. Et que elle vous détruit votre premier amour. Elle vous détruit votre premier amour. Et encore, je vous ai passé. Hein, parce que je me suis mangé un coup de couteau. Je suis partie à l'hôpital. Je me suis fait coudre. Je voulais la frapper. Mais jusqu'à la laisser par terre. Donc je suis partie de l'hôpital. Je suis partie jusqu'en bas de chez elle. Jusqu'à qu'elle avoue par message. Qu'elle enviait ma vie. Qu'elle enviait ma relation. Et là, mon ex s'est retrouvé très bête. J'étais en pleurs au bout de ma vie. Je n'arrivais même plus à marcher avec ma jambe. Et voilà pour vous dire en fait pourquoi voilà je n'ai pas confiance aux femmes. Voilà. J'ai pas confiance aux filles. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis garçons. J'ai été beaucoup blessée en amitié, comme j'ai été beaucoup blessée en amour.